Salut à tous. Allez, bon, on va déjà l'éloigner. Ah, je vais vous faire un petit run sur la maniabilité de la rally avec le gyro. À droite, gauche, droite. On a droite, on relâche le volant. Hop, on revient. Ça va vraiment se voir en vidéo, mais franchement, à droite, gauche, droite, gauche. On prend le virage doucement. Hop. Allez, on peut tourner dans un mouchoir de poche. J'aurais dû mettre des plots pour qu'on se rende mieux compte, mais franchement, là. Allez, là je tourne à gauche, je lâche le volant et je raccélère. Et après je peux récupérer ma direction. Avec le gyro, ça revient vraiment tout seul. C'est. Ouais, hop. Jamais au sol, j'accélère. Bon, j'ose pas trop aller trop vite ici parce que ça m'a encore coûté. Un guidon cette histoire. Oh là, je vais être en fin de lipo. Ah ouais, je suis en coupure déjà. Combien j'ai fait? 2 minutes. Bon, je remets une lipo quand même. À de suite. Bon, allez, acte 2. Allez, on va partir. Il prendra ses tours en roulant. Alors, tout à l'heure, quand je parlais du gyro, c'est du gyro de direction, donc du gyro 3 axes. Merci, Manière ses garages, pour la précision. Donc, si vous voulez faire des wheeling comme la Lozi Promoto, il faudra un gyro 6 axes. Ah, je manque encore un peu de vitesse. Donc, on finira par passer en 3S. Oula, ça j'aime pas cet endroit là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez, petite droite gauche comme on les fait. Hop, tranquille. Hop. On tourne, on repart. Waouh. En fait, au final, même dans un petit espace, ça devient hyper maniable, très facile à contrôler, sans oublier que ça n'est pas une voiture. Olé. Voilà, petit run maniabilité. Et là, sans contrebraquer, je me prends pas la tête. Hop, je tourne, je lâche. Et je raccélère, ça la remet droite. Ça pourrait paraître compliqué, mais c'est hyper simple. En fait, faut pas rester bloqué dans la direction où vous voulez aller. À un moment, faut relâcher. Quand la moto est couchée, comme ça, hop, faut relâcher la direction ou la remonter. Hop. Faut jouer entre la direction, les gaz, l'inclinaison. Vous voyez comme c'est maniable. Hop. J'ai de la bonne pêche, mais j'ai pas assez d'allonge. La voiture vient pas ici. J'espère que non. Hop. Arrière, il est mort, mort, mort. Hop. Avec le gyro direction, ça devient un petit vélo.
vous remarquerez, les barres latérales, c'est encore mode débutant. Et ça aide, franchement. Allez, on peut retourner la moto, hop. Sans être obligé d'aller la rechercher. Peut-être je pourrais m'en passer plus tard, mais oh, pas pour l'instant. Oh, elle est sauvage. C'est excellent. Je sais pas si vous voyez grand chose. J'ai perdu mon support de téléphone. Donc là, je fais un petit bonheur la chance. Aïe. Ah. Ah. Non, là, c'était trop. Trop de branches. Ça va, je suis venu la ramasser une seule fois en plusieurs minutes. Moi, c'est mon petit problème. J'adore la moto, mais avec le mal de dos, j'avais pas envie de toujours aller la chercher. Il suffit que je dise ça. Ah, et des moments, je me dirais une petite marche arrière. Ça peut-être pas impossible hein, vu que le gyro est libre à... Mais bon, sur une fausse manip, ça pourrait faire mal. Gauche, droite, gauche, droite. Wow. Ouais, j'étais trop ambitieux. Encore une fois, je voulais faire juste une petite vidéo démo et je vais finir encore avec un truc cassé dessus. Hop. Ouh. C'est comme ça que j'avais cassé mon guidon. Ah, franchement, j'ai pas encore changé le cerveau de direction, mais le gyro et les petites modifs à porter, c'est génial. Toujours pas essayé la supermote. Faut que j'arrive à lui régler le gyro de la même manière. Ben, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un frein avant aussi. Ok. Et encore. Et ici, je suis dévissé. Allez. Ça sent la fin du run. Je vais arrêter là pour aujourd'hui, je vais aller me resserrer mes petites BTR. C'est excellent. Et au final, je crois que mes barres, elles sont vraiment pas mal pour le TT. Sur la route, ça touche un peu trop vite. Hein. Mais pour le TT, c'est pas mal. Wow. Ouais, ça c'était pas très réaliste. Hein. J'avoue, Manu, j'avoue. Wow. Des petits ronds. Là, vous jouez avec la direction. Si elle touche trop le sol, c'est qu'il faut relâcher. Et si elle se relève, hop, vous revenez. Oh non. Bon allez,
Je vais la rentrer, on ira sur un meilleur terrain. Ça évitera de la casser pour aujourd'hui. Et déjà, quand vous savez faire ça, hop, vous êtes content. Ouais, c'est le kiff, franchement. Allez, le giro, il me contrebraque tout seul pour la... Oh. Pour la remise à niveau, on va dire, hein, pour se remettre droit. C'est nickel. Oui, je tourne sur même pas 1m50. Bon, faut que j'apprenne encore à piloter, hein, c'est sûr, ça sera un peu plus joli plus tard. Et c'est déjà pas mal. Olé. Allez, arrête-toi la batterie, sinon je vais jamais arrêter. Franchement, j'abuse. Je sais même pas si j'ai en vidéo, je sais pas ce que je filme. Mais... Du doux sur les gaz. Allez, tous ces poteaux, à la prochaine.